Bonjour, pour ce Michel Midi, j'accueille Tony Busselen. Aujourd'hui, on va parler du Congo il y a des élections bientôt. Tony Busselen est un journaliste indépendant il a beaucoup séjourné au Congo c'est vraiment un spécialiste, puisqu'il a publié notamment ce livre que je vous conseille Une histoire populaire du Congo. Mais Tony Busselen, est-ce que le Congo, il n'y a pas un peu trop de spécialistes en Europe, mais un peu trop de spécialistes qui euh, savent tout à la place des Congolais oui, ça je crois que si on est observateur du Congo et si on, on suit les événements au Congo à partir de l'Europe, il faut avoir une attitude de modestie et il faut se rendre compte que la misère dans laquelle le, le, les Congolais vivent aujourd'hui, c'est le résultat de 200 ans de colonialisme et de néocolonialisme. Et que donc, euh, il faut être prudent d'avoir de, 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 des, des positions euh, absolues, de savoir tout, euh, d'avoir de, de, des jugements. Prudent etc. et modeste. Le Congo, c'est un très grand pays. Je ne suis pas sûr que tout le monde euh, le connaît bien. Donc, euh, point de vue géographie... Ben, on, on voit que le Congo, c'est euh, stra très stratégiquement dans, dans l'Afrique. Donc, il y a neuf oui. pays autour du Congo. C'est un pays énorme. Donc, c'est aussi grand que l'Europe, que l'Union européenne. Euh, D'un côté de l'autre, ça fait 2000 kilomètres. Euh, donc, c'est un pays euh, complexe aussi. Donc, euh, 80 millions de gens. Euh, oui, c'est ça. Énorme, riche, complexe. Oui. Donc, il faut connaître l'histoire. Il y a une image ici qui montre que le Congo est composé de 26 provinces. Ça aussi, c'est quelque chose de complexe. Oui, parce que c'est très récent. Donc, euh, le Congo a été longtemps euh, euh, eu, euh, je ne sais plus exactement, 9 ou, ou 10 provinces. Et euh, faire cette réforme il y a deux ans vers les 26 provinces pour rendre la gestion de, de, du pays, du territoire plus, euh, plus efficace, plus moins, efficace bureaucratique. moins bureaucratique, plus proche des gens. Euh, c'est un, une énorme euh, réforme dont on ne se rend pas compte, mais, mais que je veux quand même dire euh, que, que c'est une réalisation et que c'est important. D'accord. Avant euh, les élections, il y a eu la guerre, beaucoup de guerres au Congo. Euh, une carte aussi qui le montre. Qu'est-ce qui est important là-dedans ben, Ça, c'était euh, la situation de ce pays euh, pendant la guerre entre 1998 euh, et 2003. Et euh, ça montre comment ce pays a été déchiré pendant cinq ans, avec toutes les conséquences que ça amène. Donc, euh, vous voyez les différents. Euh, euh, foyer de conflit. Les foyers de conflit, pas seulement foyers de conflit, mais l'occupation les, les, les... rwandaise est en rouge, l'occupation ougandaise est en jaune et brun. Et il y a encore un, un groupe de rebelles euh, spécial euh, autour de Beni et de Butembo. En, en un peu pays peu... vraiment morcelé, balkanisé. Hein. Oui. Et le, ici, le truc au, 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 euh, entre les, la grande tache bleue, qui était le, le, le territoire sous contrôle gouvernemental, et ça, c'était le L'espace no où, les... où, il... avec... où il y avait des combats, etc. Donc un pays vraiment avec un état faible pendant longtemps. Euh... Le Congo, j'ai ici deux, trois chiffres, on va tous les regarder, mais il y en a quand même deux, trois qui sont significatifs. En gros, j'ai vu, on voit que la population a presque triplé depuis 1980 que le produit national brut, donc les richesses produites par le pays, il a augmenté euh, pas beaucoup plus. donc, en gros, ça reste un pays pauvre. oui, c'est ça. donc, euh, si on va la montée de, de la population, l'augmentation de la population, et, et que euh, ça n'a pas été du tout suivi euh, au niveau de, 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 de production, alors euh, on peut se rendre compte que les gens, vivent dans la même misère. C'est un pays très riche avec des gens très pauvres. Des 80, oui. 80. Alors, si on regarde les revenus de l'État, il y a quelque chose qui m'a frappé en découvrant ces stats. Les revenus de l'État étaient à 2000 en 80. À la fin de l'ère Mobutu, c'était tombé extrêmement bas. Et puis, c'est remonté. Mais ça veut dire quoi ça Ça veut dire que euh, on doit se rendre compte que sous Mobutu, entre les années 70 et la fin de Mobutu, il y a eu une chute, pas seulement de l'État, mais aussi du, du, du produit national brut. Euh, 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 donc, on, une chute vertigineuse. Et que euh, depuis la fin de l'ère Mobutu et aujourd'hui, on essaye petit à petit, très lentement, de, de, de sortir d'un puits très, très profond. D'accord. Pour les jeunes, je vais quand même expliquer que Mobutu est un dictateur qui a été mis en place par la Belgique, les États-Unis, la CIA, après l'assassinat de Patrice Lumumba, le Premier ministre élu, qui lui voulait un Congo indépendant, souverain et avec justice sociale. Donc quelque part, la Belgique toujours coloniale, les États-Unis sont fondamentalement responsables du fait que le Congo est resté si pauvre aussi longtemps. Ah oui, c'est sûr. Et donc on voit aussi, ça m'a frappé, les exportations du Congo dans toute cette période, elles avaient beaucoup chuté sous Mobutu. Elles ont remonté maintenant, mais bon, c'est à peine le double de 1980. Tandis que les importations, elles, elles ont pratiquement été multipliées par 6 Ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'il y a un début de, de, de développement économique, euh, mais, mais encore très, très en dessous de tout. Mais qu'il y a quand même euh, une, une activité de commerce qui est, qui est très importante pour, pour rendre, comment dire, possible un développement économique, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. D'accord. Alors, euh, dans l'actualité toute récente, il y a eu deux événements très importants ces tout derniers jours. Le premier, le docteur Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix. Il est extrêmement réputé, on en a beaucoup parlé. Et il a dit deux choses qui m'ont interpellé. Il a dit que les Congolais devaient lutter contre l'exploitation de leur pays, mais aussi qu'il fallait des sanctions contre le gouvernement. Comment expliquer ces déclarations mais Moi, je crois que le docteur Mugwege est, euh, est un homme de gauche. Euh, à un certain moment, il a fait un discours où il a dit qu'il voulait la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Qu'il n'acceptait pas que des hommes politiques ont des villas à la Côte d'Azur et roulent en, avec des voitures euh, très chères, tandis que le peuple vit dans la misère. Donc, c'est quelqu'un qui dénonce l'injustice, qui dénonce euh, la situation dans laquelle, et aussi la violence et la souffrance euh, du peuple congolais. Et donc, euh, de, de ce point de vue, moi, je le considère certainement comme un homme de gauche optimiste aussi. Il croit dans le, dans, dans le peuple congolais, il croit dans la possibilité de changer. Et donc, ça, c'est très important. Et donc, dans ce sens, euh, le fait qu'il a eu le, le prix de Nobel est une très bonne chose parce que ça, ça euh, renforce la confiance du peuple congolais en soi-même. Mmh. Mais les sanctions que l'Union européenne vient de renouveler, euh, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est -ce quoi cette idée de faire des sanctions contre le Congo et quel qu va être l'impact? Ben, le problème, c'est qu'avec ces sanctions, et là, je, je crois que euh, le docteur Mukwege se trompe, avec les sanctions, euh, on enferme le Congo, euh, on continue de, 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 le système néocolonial, on enferme le Congo dans le système dans lequel il se trouve déjà depuis... Euh, le début de la colonisation. Donc la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit, mais c'est aussi la même chose la main qui punit est aussi toujours au-dessus de, euh, de, de, de la personne qui est punie. Et donc euh, cette attitude de donner des leçons, de dire euh, tel est, reçoit des bons points, tel reçoit des mauvais points et il est puni, ça c'est une façon néocoloniale que, que moi je crois que ne ne, ne peut pas euh, faire avancer les choses. Au Congo. Mais on dit que c'est pour faire avancer le Congo vers une bonne gouvernance, ça ne peut pas avoir un effet positif Mais non, parce que le, 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 le système néocolonial est en fait de pousser les, la classe politique congolaise, de enfermer la classe politique congolaise dans un fonctionnement néocolonial. Les, 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 politi les hommes politiques congolais, leur souci n'est pas le, le, les problèmes du peuple, la souffrance du peuple. Les hommes politiques congolais, ils sont enfermés. Dans, une, dans une, un, euh, une structure dans laquelle il faut se battre contre les rivaux pour avoir le plus grand morceau de la gâte, euh, du gâteau. Mmh, D'accord. Je remarque une question qui vient d'arriver de Yac. Je lis Les Congolais ne peuvent-ils pas être majeurs et se libérer de ce néocolonialisme néo et surtout lutter contre la corruption Mais oui, parce que justement, le, ce que le. le, le euh, L'Union européenne et les Américains d'ailleurs aussi imposent toujours aux, aux, aux Congolais. Donc d'abord ils donnent des beaux, mauvais et des, 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 des bons points. Mais ensuite ils disent il faut vous réconcilier entre vous. Et ça veut dire qu'ils mettent... Les mille personnes les plus importantes au Congo autour d'une table pour partager le gâteau. Et ça se fait déjà depuis le début de l'indépendance. Et donc, si, si ce qu'il ce qu faut faire, c'est que le peuple congolais est confronté, et les hommes politiques congolais sont confrontés au, au peuple congolais sans l'ingérence de l'extérieur, mm -hmm. sans, sans cette main qui. qui l'ingérence, ça fout tout en l'air. Ça fout tout en, en l'air. Ils doivent être confrontés avec le peuple congolais et le peuple congolais avec. avec euh, euh, son dynamique avec sa, sa rébellion, il, il, il va obliger les hommes politiques congolais à se, à se soucier de leurs problèmes. Bien, alors voyons un petit peu l'attitude des grandes puissances, leur intervention dans le Congo. Euh, les États-Unis, par exemple, John Kerry est allé en mai 2015 rencontrer Kabila et il voulait quoi ben, En fait, il a posé un ultimatum à Kabila en disant qu'il faut en fait euh, désigner votre dauphin parce qu'en 2016, euh, vous aurez euh, fini. Et donc, euh, de cette façon, il a renouvelé euh, l'opposition, il a renforcé l'opposition, mais surtout aussi, il a provoqué une discussion à l'intérieur de la majorité présidentielle, dans laquelle il y a un groupe de gens qui, pendant une année ont, et un peu plus, ont discuté et se sont battus pour imposer ce choix des, des, des Américains. Donc, c'est ce, ce groupe-là, des gens qui étaient ministres jusque septembre 2015, qui se sont, qui, qui, qui ont quitté la, la majorité présidentielle de Kabila et qui ont formé le G7. C'est le groupe de partis, le, 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 qui font aujourd'hui le noyau de l'opposition le plus radicale. Oui, on va venir aux candidats qui se présentent. Euh, il y a les États-Unis, il y a la France et la Belgique aussi. Elles sont entièrement sur la même ligne que les États-Unis ou ben, ils sont dans la même ligne, dans le sens que les industries automobiles, par exemple, euh, allemandes et françaises, ont besoin du cobalt, euh, comme l'industrie automobile des États-Unis. Et donc, ils sont tous là pour une course euh, vers le cobalt. Euh, et vers les, 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 les mines euh, au Congo et vers Ce les. Ce sont les minerais qu'on a dans nos GSM, dans nos ordinateurs portables. C'est des minerais stratégiques. Oui, c'est ça. Le cobalt, par exemple, c'est 60% des réserves mondiales se trouvent au Congo. Donc ça montre que le Congo est, est un enjeu très important. Ils sont tous dans cette course. Donc ils ne peuvent. Ça pas... veut dire que les zones de guerre qu'on a vues là il y a quelques minutes, c'est des zones qui correspondent aux minerais. C'est des zones, non, oui, c'est vrai, effectivement, l'Est, euh, là, il y a le plus de minéraux, l'Est et, et le Katanga. Euh, mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas une question. C'est surtout la guerre, ça, ça sert à rendre faible l'État con euh, congolais. Et par exemple, les Américains ont récemment euh, euh, nommé, Trump a récemment nommé euh, Peter Fahm, qui est un, 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 comme envoyé spécial pour la région. Et ce type, il a. Il est assez connu et, et, euh, au, au Congo parce qu'il a écrit un, euh, des articles il y a quelques années en disant ⁇ To save the Congo, let it fall apart ⁇ donc ça veut dire, pour sauver le Congo, laisse-le éclater. Mmh. Et donc ça, c'est le scénario de, de, de la balkanisation du Congo. Qu'on pour... voit dans toute une série d'autres régions que nous avons déjà analysées. Au Moyen-Orient, les États-Unis veulent remodeler et affaiblir les États qui sont forts oui. pour empêcher qu'on leur résiste, c'est ça Oui, c'est ça, c'est ça. Et de cette mmh. façon, avoir une, une, une mainmise sur les minéraux. Les, les, les Européens sont un peu différents. Les Européens veulent vraiment, euh, comment dois-je dire ça, euh, une mainmise sur le Congo. Euh, ils veulent avoir leur rôle euh, 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 à la tête de l'État. Ils veulent diriger le Congo directement eux-mêmes. Tandis que les États-Unis voient surtout des profits immédiats euh, ou l'affaiblissement de... Oui, l'éclatement. Oui, et là-dedans, on va prendre ce qu'on ce qu a besoin. Ça, on, peu... on va venir aux élections. Il y a donc le dauphin de Kabila, finalement. Il y a un deuxième candidat qui s'appelle Fayoulou. Un commentaire oui, Fayoulou, c'est le candidat de, entre autres, ce G7 de, de Katumbi, hein, de, donc ce groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'est renforcé encore avec Bemba, qui est, un, euh, qui est connu donc comme... Euh, 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 Jean-Pierre Bemba qui, qui a été jugé à l'AE qui a été jugé à qui a été libéré juste avant les élections et qui maintenant et qui était un, un, un dirigeant de rebelles pro-ougandais donc euh, appuyé par l'armée ougandaise pendant la guerre qui avait donc guerre. travaillé à démanteler le Congo oui c'est ça, mmh. et donc un homme très riche aussi et alors il y a Mosito aussi euh, un ancien premier ministre de Kabila mmh. entre 2008 et 2010 ok mais pas trop de noms parce que sinon okay. on ne s'y retrouvera plus mmh. mais euh, Fayoulou okay, il vient d'où Fayoulou, c'est un, un homme qui, qui, qui a eu des responsabilités dans ExxonMobil, donc une grande ah. euh, société américaine, euh, qui par après s'est lancé dans la politique euh, euh, au Congo. Qui... J'aime bien entendre ça parce que Karzai, qui avait été mis président de l'Afghanistan, il avait travaillé pour Chevron. Et puis au Moyen-Orient et en Irak notamment, les États-Unis amènent toute une série de citoyens qui ont travaillé pour des multinationales, surtout pétrolières en fait. Donc oui. c'est un peu des agents. Oui, c'est ça, on peut dire ça. Katumim, par exemple, le, qui, est le, qui était le grand candidat présidentiel, mais qu'ils n'ont pas pu mettre. Euh, euh... Les États-Unis et la Belgique, ils essayent toujours d'avoir une candidature unique pour que justement l'opposition soit plus forte. Non, ça, c'est logique, normalement, euh, l'opposition devrait avoir une candidature unique. Euh, mais il n'est pas capable de s'unifier de parce que beaucoup disent oui, ils sont fâchés parce que Bemba a été exclu. Donc il s'était mis candidat, mais il n'a pas été accepté à cause d'une du condamnation en que, justice. D'une condamnation pour corruption, euh, non, ça a une autre nom, subordination de témoins. Subornation de témoins. Euh, mais euh, donc il n'a pas été accepté. La même chose avec Musito et la même chose avec euh, euh, Katumbi. Et donc on peut, on... Si Kabila avait été vraiment aussi euh, machiavélique qu'on le dit, il n'aurait pas laissé un maximum de candidats pour que l'opposition se disperse Franchement, moi je crois que s'il aurait été euh, si machiavélique, euh, il aurait laissé ces gens parce que. Aucune de ces personnes voudrait euh, euh, reculer ou retirer sa, sa candidature euh, pour l'autre. C'est une question d'ego. ils veulent tous le pouvoir pour eux-mêmes Ils veulent tous le pouvoir parce qu'ils savent que celui qui a le pouvoir, il va pouvoir euh, 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 bon, prendre les richesses de l'État. Bien, il y a le dauphin de Kabila, il y a Fayoulou et il y a un troisième bloc avec Tshisekedi. Il y a un troisième bloc avec Tshisekedi et Kamere, et ça c'est un peu le résultat qu'il y a un, un groupe de l'opposition traditionnelle, je peux dire. Qui a plus ses racines dans le passé. L'UDPS est le, le parti le plus connu de Père Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Et donc, euh, ce groupe-là, euh, il, il voit d'un côté cette attitude radicaliste euh, presque guerrière euh, euh, contre, contre le, euh, le gouvernement. Et par exemple, le mot d'ordre de Fayoulou, c'est ne va pas voter avec la machine à voter. Euh, exiger le jour de, 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 des élections, exiger euh, des bulletins de vote. Mais Donc ça veut dire que, dans les faits, ils appellent pour une sorte d'insurrection euh, le jour des élections. Mm -hmm. Et donc, euh, il y a des, des, des gens euh, dans la classe politique congolaise, beaucoup de gens ne sont pas très euh, à leur aise avec ça parce que ça implique que euh, si le les chaos. élections, euh, un, le, le, chaos. le chaos, mais deux, surtout aussi que s'ils si suivent ça, euh, et ils se mettent hors de. de, de ils se risquent de se mettre hors de, de, du mangeoir pendant cinq ans. Et donc, de cette façon, il y a un, un groupe de gens qui, qui disent, autour de Tshisekedi et de Camille, qui disent non, il faut accepter la machine à voter, mais on va bien le contrôler. contrôler mm -hmm. Et de cette façon, on va gagner les élections. Bien. Alors, justement, on va en arriver aux perspectives. Qu'est-ce qui va se passer Là, j'aimerais retracer deux réflexions que je suis en train de lire. Nous avons Wafa qui nous dit que Les hommes politiques sont tenus par les plus riches Et nous avons Mouad qui nous dit que Les riches ont toujours existé ainsi que les pauvres Et malheureusement la vie est ainsi faite Alors il faut désespérer euh, Dans ce cas-là, oui, il faut désespérer Mais, mais là, je ne suis pas du tout d'accord Les riches sont confrontés à la résistance des pauvres Ça a été toujours comme ça dans toute société Et, et c'est aussi le cas au, au, au Congo et donc, c'est que quand les riches doivent tenir compte avec les pauvres, que ça peut changer. Et donc, le problème avec les ingérences, les sanctions de l'Occident, c'est en fait de, 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 de faire que c est, c est, c est, cette classe dirigeante congolaise reste prisonnière de l'Occident, reste attachée à l'Occident, et de cette façon est, est, est protégée vis-à-vis du peuple. Peut, peut se permettre n'importe quelle euh, répression vis-à-vis -vis du peuple. Mmh. Et donc ça, c'est le, 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 le vrai problème, c'est ce euh, cordon ombilical qu'il faudrait couper entre le, le, la classe politique congolaise et l'Occident. Parce que tant que ce cordon ombilical est là, et les Occidents, avec leur ingérence, protègent, disent, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, le pire moment pour le peuple congolais, c'est quand tout le monde est autour de la table et on va se partager le gâteau. Parce qu'alors le peuple ne compte pas du tout. Mmh. Alors, euh, je crois que c'est très intéressant. Euh, par pur hasard, je viens de lire euh, quelque chose qui évoque exactement ce qu'on a dit. C'est un roman de John Le Carré, Le chant de la mission, où il raconte, il y a une vingtaine d'années, l'intervention du gouvernement et des services secrets britanniques pour tramer un coup d'État. Au Congo, justement, et des multinationales minières britanniques et occidentales organisent une rencontre avec plusieurs chefs de guerre et opposants pour essayer justement de partager le gâteau. Donc, John Le Carré, ça c'est euh, à mon avis bien tapé dans mille et c'est super bien écrit. Je rappelle que Tony est l'auteur d'une histoire populaire du Congo euh, vraiment très très passionnante, très claire. Et là, on comprend beaucoup de choses parce que c'est enfin placé dans une euh, perspective historique. Je voudrais signaler que l'Afrique est au cœur du travail de investigation puisque nous avons publié le manuel stratégique de l'Afrique de j'essaie de le mettre avec pas trop de reflets je crois que vous le voyez très très mal de Saïd Boamama le deuxième tome vient de paraître il faut y penser pour les cadeaux intelligents en période de décembre et nous avons justement avec Saïd Boamama un débat à Paris où va l'Afrique Quatre défis. J'interrogerai Saïd Boamama et ici toute une série d'invités vraiment très très passionnants et des bons connaisseurs de l'Afrique. Ça se passe à Paris le vendredi 14 décembre à 19h30, mais on sera déjà là une heure plus tôt pour signer tous les livres et discuter avec vous à l'espace Mayana, Saint-Ouen, Métro Garibaldi. Donc euh, voilà nos, nos prochains rendez-vous. Euh, justement pour continuer, je crois que l'Afrique c'est vraiment très très important. Il euh, y a un lien très fort à faire, je crois, avec la révolte sociale magnifique qu'on voit en France et en Belgique, j'en parlais la semaine passée avec les Gilets jaunes. Je crois que tout ça fait partie d'un même système où les multinationales essayent d'appauvrir les gens là-bas et ici et de les diviser les uns contre les autres. Les migrants, ça sert à ça, en fait, à baisser le niveau de, des salaires et à baisser les, les conditions de vie. Donc, on vous attend vendredi soir pour discuter de tout ça. J'en profite pour vous rappeler que Action est en mode survie. On est. En faillite un jour sur deux, grâce au coup de main que nous donne le lobby sioniste qui euh, fait annuler nos conférences, qui fait des pressions sur nos chers ministres, etc. J'en ai parlé dans une vidéo que je vous demande de visionner si vous ne l'avez pas encore faite, qui s'appelle Contre la censure, soutenez AVCI Action. On a absolument besoin de vous pour euh, survivre, pour continuer à éditer, éditer des livres comme euh, ces euh, questions-là pour avoir le site et les journalistes qui font le travail. On a vraiment besoin de vous. Et la, mardi prochain, je prendrai d'ailleurs comme euh, émission euh, le, la question du lobby. Le lobby euh, sioniste, comment travaille-t-il Quelles sont ses méthodes Quels sont ses points faibles Comment on peut lui résister voilà, merci pour votre intérêt, merci à Tony Busselon, je crois que c'était okay. passionnant et très court. Il a encore énormément à vous dire. S'il fait une conférence, ne la ratez pas. On répondra un peu plus tard à vos questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui. Merci Tony et toute notre sympathie pour le peuple congolais.